Je suis sûre que t'as déjà un pote qui t'a dit. L'alternance entre période chaude et période froide, ça a toujours été comme ça, hein. C'est le cycle de la Terre. Alors oui et non, c'est vrai que le climat de la Terre alterne depuis toujours entre des périodes de glaciation et de réchauffement avec des pics. Par contre, ce qui a changé, c'est la fréquence et la durée de ces changements climatiques entre les périodes. Si on va prendre un exemple, il y a 56 millions d'années, la température de la Terre avait augmenté de 6 degrés en 10 000 à 20 000 ans. Donc ça fait 1 degré tous les 2500 ans environ. Mais voilà, ces 100 dernières années, la température a augmenté de 1 degré, c'est 25 fois plus rapide. Et ça, c'est principalement dû à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions ont augmenté de 80% depuis 1970 et de 30% depuis 1990. Et entre 2000 et 2010, on a même battu des records. Et notamment à cause de la combustion des énergies fossiles comme le charbon ou encore le pétrole. Et bien sûr, les prévisions indiquent un réchauffement futur sans précédent. Ouais, enfin, en attendant, on remonte au même niveau de température qu'au Moyen-Âge. Hein. Parce que pendant le petit âge glaciaire, les températures, elles ont chuté de ouf. Donc ça remonte, ça suit le cycle. Ce que tu oublies là, c'est que ces changements de température étaient régionaux et pas globaux. À l'époque, ils ne concernaient que l'Amérique orientale, l'Europe du Nord-Ouest, le Groenland et l'Islande. Le seul réchauffement climatique qui a eu lieu en même temps et dans de très nombreuses régions a eu lieu ces 150 dernières années. Et ça concernait 98% de la surface de la planète. Donc tu penses toujours que c'est naturel ? Voilà, maintenant tu sauras quoi lui répondre parce que...